Hey, bonjour les loulous, c'est Tocardo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis à Obernai, en Alsace, pour l'Ultra Trail des Païens. Et oui, j'ai choisi cet Ultra Trail d'une longueur de 116 km, tout simplement pour le nom, les Païens. Je trouve ça bien. Donc il y avait le format au-dessus, hein, 100 miles, 175 km environ, qui s'appelait l'Ultra Trail des Chevaliers. Mais bon, moi j'ai peur des chevaux, alors voilà. Donc là, je suis au Obernai, donc c'était un petit peu difficile pour se garer. Et maintenant, il faut que je prenne le bus pour aller au départ de la course, qui est une localité dont le nom me semble assez imprononçable. Il y a beaucoup de lettres dedans, ils ont peut-être mis un petit peu tout, toutes les lettres de l'alphabet dans des ordres, enfin bon bref, j'exagère évidemment, mais voilà. Et sinon, je sais pas si vous avez vu, c'est un nouvel article sur ma tête en haut, en fait, non, c'est pas pour regarder des séries Netflix durant le trail, c'est simplement que je deviens un petit peu miro et je n'arrive même plus à voir les indications sur ma montre. Donc en fait, il y a des petites loupes en bas là, lunette, on va dire, qui me permet de voir sur la montre, et donc cela évite de croire que je suis au kilomètre 92 alors que je suis au kilomètre 22 par exemple. Bon voilà, allez prendre le bus, donc je suis la masse des coureurs, ça doit pas être très loin. Niveau météo, ça s'annonce, là il fait 10 degrés, assez frais, pour ça j'ai un bonnet, j'ai les gants, j'ai tout, la totale. Mais bon, orage prévu entre 12 et 14 heures, donc on aura peut-être un petit peu de sensation. Et puis voilà, beau parcours sur le papier, avec des châteaux, des machins, des trucs, de la forêt, de la route, un peu tout. Donc voilà, allez, tout de suite la suite, le bus. Voilà, le bus c'est fait. On va déposer les sacs pour la base vie qui est à Bar. Pareil que quand on arrive à Bar, on est déjà mort. C'est Bar Tabac. Ouais, je sais. Mais bon, j'ai besoin de ça moi pour tenir, hein. Ok, donc soyez pas trop dur avec moi. Et là-bas, c'est le château du Haut-Königsbourg. Voilà, on va y passer. Ce sera la première étape, j'imagine, vu que c'est tout proche. Col de Roche-Pinède, c'est absolument exceptionnel. Vous allez longer la. Before midday, yes. Okay. This afternoon, the clouds gain momentum. It can be rainy, locally heavy rain. The mosquito can be. On peut les applaudir! C'est fini.
Facile pour courir avec le truc en métal, hein. Pas facile pour courir le trail, hein. Ouais, c'est facile. Ouais, facile. C'est chouette. On s'arrête pas pour les sandwichs. Sans Sarah, on est kilomètre 25, je sais pas combien de temps. Bon, je pensais que les pentes allaient être un peu plus costauds que ça quand même. J'ai amené le bâton du coup, mais il ne sert pas à grand chose. Alors on me dit sur la deuxième partie du parcours, après la base vie, ça va se compliquer un peu. Donc voilà. Et pour l'instant, pas d'orage encore. On a même eu quelques rayons de soleil. Donc tout va bien. Et du coup j'ai pas encore mis mes lunettes. Vous avez vu? Je pense que la caméra est par là, non? Bon. C'est que le premier tour, hein. C'est que le premier tour.
Moi je suis en train de manger. Bon, il y a beaucoup de mal plat quand même. Il n'y a pas des montées franches. Donc j'ai amené les bâtons, mais bon, il n'y a pas grand chose. Par contre, on peut même pas courir parce que c'est quand même bien mal plat. Et on parle pas à la bouche pleine. C'est vrai. Il a raison. Premier tour, hein. Voilà, 50 bornes de passé, prochain arrêt, barre. Barre. Là on est mort. Barre tabac. Base vie ou un truc comme ça. Je vais mettre mon habit de lumière. Et sur les chaussettes. On a les cailloux. Bien, ça grimpe en plus. Oui, je l'ai vu, il séchait dans la forêt tout à l'heure. Ah, ah, ah putain! Ah! Ah! Je pas à quelqu'un, c'est fini! Je me sentais j'ai vraiment fait la vie! Non, je crois pas! Ceux qui ne veulent pas y avoir de musicien, donc à mon avis, on va vite aller voir! Ah oui! Vous pouvez le dire! Bravo! Bravo!
parti pour 50 bornes. Ascension du Mont Saint-Odile, tristement célèbre pour l'accident aérien que vous connaissez, dû à une faute de pilotage. Le pilote avait confondu deux grandeurs physiques, donc ils ont réglé la descente mille fois plus forte que convenu, et sans contrôle évidemment. Enfin bon, bref, n'accablons pas les personnes qui sont décédées. Allez. Bon, c'est vachement gay comme truc. Allez, Mont Saint-Odile, c'est beau. Bon, par contre, ça grimpe un peu. Hein. C'est pas fini l'histoire, hein. C'est un peu long quand même. Hein. Finisher. Ah bah oui, hein. Puis bien en plus, hein. Ah ouais, finisher debout et tout. Hein. Ils n'ont pas balayé, c'est ça? C'est dégueulasse, je trouve. Hein. Non, et j'ai chaussettes blanches, j'ai changé à barre. Hein. Ouais, elles sont propres quand même encore. Elles sont nickel. Je connais qu'elles étaient blanches au début. Alors, il n'y a rien.